Bonjour la maman. Bonjour, monsieur Teddy. Aujourd'hui nous sommes aujourd'hui est jeudi 7 janvier 2016. Je crois que votre visage me dit quelque chose. À vous voir, j'ai le courage d'adorer Dieu. Parce que quand vous êtes venu pour la première fois voir l'homme de Dieu, Papa Florian, sous le sable, c'était vraiment incroyable. Vous avez perdu du poids, vous étiez méconnaissable. Et aujourd'hui, vous avez réellement pris du poids. On ne vous reconnaît pratiquement pas. On ne vous reconnaît pas. Voilà. Pris du poids. Je ne vous ai même pas reconnu. Je ne sais même pas que c'est vous qui êtes là. Bonjour, la maman. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Je rappelle à tous ceux qui ne vous ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu votre témoignage, que vous étiez très malade, gravement malade. Hein? C'était en 2013. Voilà, c'était en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2016, donc ça fait 3 ans maintenant. Vous étiez très malade, gravement malade même. Voilà. Et vous étiez, je crois, à San Pedro ou bien ça, Soubré. À Soubré. Voilà, à Soubré, très malade. Et c'était un mal mystique, le 16 qui tombait. Vous marchiez avec une canne. Ouais. À peine même, votre mari vous a reconnu lorsqu'il est monté dans le car. Il ne m'a pas reconnu même. Voilà, et c'est votre fille qui a entendu parler de l'homme de Dieu qui vous a envoyé le lait. Voilà, automatiquement, quand vous avez bu ce lait, je me suis levé. Vous êtes levé, vous avez jeté la canne. Et en songe, avant même d'arriver chez l'homme de Dieu, voilà, vous l'avez vu. D'abord, vous l'avez vu qui est venu dans votre maison pour vous soigner en songe. Voilà. Et quand vous êtes arrivé chez lui, vous l'avez reconnu. Que c'est lui, l'homme de Dieu, Papa Florian. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on ne vous reconnaît plus. Parce que vous avez pris du poids. Vous êtes une nouvelle personne. Dieu vous a guéri. Dieu vous a donné votre choix. Bonne arrivée encore à mon nom. Amen. Quelles sont les nouvelles de ce matin? Bon, bonne heureuse année d'abord. Bonjour. Bonne heureuse année, merci beaucoup. Il n'y a rien de grave. Je suis toujours dans la joie depuis que j'ai connu le chemin du ciel. Vraiment, papa Florian, vraiment, il est bon. Il m'a soigné. Une année, j'étais à Soubré. Je suis tombé malade. Je rappelle que vous êtes musulman, hein? Oui, je suis musulman. Hein? Pratiquant, pieux. On allait à la prière. C'est là-bas même que ça a commencé. Je ne marchais pas bien. Mais quand même, je suis resté parce que c'était le jour de Tabaski. Il fallait que je reste là. Donc, j'ai fait un effort pour finir la prière. Mais quand on a fini, je suis venu à la maison. Quand je suis venu à la maison, je dis, attends. Je ne pouvais pas marcher. Un cousin dit, ah, je me suis couché. Mais où je me suis couché là, j'ai fait 3 jours, 4e jour, je ne me suis pas levé. Maintenant, j'étais là. Je suis couché comme ça jusqu'à il y avait un miroir devant moi. Quand je me suis levé, je ne mangeais pas, je ne bois pas. Mon mari n'était pas là. Je suis resté dans la maison avec mes enfants. Comme là-bas, ça ne va pas, il est venu se chercher à Abidjan ici. C'est là que j'ai pris le mirage. Je me réveille, mon caleçon même que j'ai chose, que j'ai porté là, ça veut s'éclater. Éclaté. Parce que mon sexe ça s'enflait. C'est là que j'ai appelé ma fille. J'ai dit tout l'eau. Elle dit, maman, elle dit, viens. Quand elle est rentrée, elle a eu peur. Il dit, faut pas avoir peur. Tout l'eau vient. Elle dit, maman, mais regarde en bas de toi. Il dit, oui, viens. Il faut appeler les gens, ils vont me soulever. Je ne vais pas marcher. Elle dit, mais maman. Il dit, bon. Elle dit, maman, attends, je vais tout faire pour enlever le caleçon là. Elle a enlevé le caleçon là, je me suis déshabillé. Et quand elle a enlevé le caleçon maintenant là, mon sexe là descendait seulement. Il y a des racines dessus, des tiges, des champignons, on dirait un bois. Donc j'ai appelé mes enfants, il dit, ah, ça là, vraiment, c'est la mort. Mais je vais appeler votre grand-sœur. En même temps, ma grand-fille, elle est à Gonzaxi. Elle m'a appelé.
Quand m'a appelé avec mon neveu, j'ai dit, ah, bijou, vraiment, il faut prendre soin des enfants. Elle dit, il y a quoi? Je dis, je suis malade, que je vais mourir. Elle dit, ah, et puis ta voix a changé. Je dis, oui. En tout cas, je vais mourir. Elle dit, non, tu ne vas pas mourir. Mon neveu était à côté. Elle dit, non, elle va mourir comment? Elle n'a qu'à tout faire, elle va qu'à prendre le cas, elle va venir. Il dit, mais je ne vais pas prendre le cas, je vais venir comment? Je ne peux même pas marcher. Elle dit, bon, on va aller à l'hôpital, on va louer une voiture ici, on va aller te chercher. J'ai dit, non, ça va. C'est la mort, tu es arrivé. Quand vous allez me prendre pour m'amener à Abidjan, je suis musulmane, vous êtes des chrétiens. Quand je vais mourir, il n'y aura pas les musulmans qui vont venir à mon enterrement. Je vais rester assoubre et puis mourir, mes frères musulmans là vont m'enterrer. Parce que chez les musulmans, quand tu ne fais pas la koubarou là, une chose, ils ne s'approchent pas de ton corps. Donc je vais mourir au milieu d'eux là, ils vont m'accompagner dignement. Ma fille a dit non. Je vais t'envoyer de l'argent, tu vas venir. Mais il faut dire Dieu de ne pas fleurir, il faut dire Dieu de ne pas fleurir, il faut dire Dieu de ne pas fleurir jusqu'à matin. Parce qu'elle n'avait pas les lèvres, eu tout ça là. Je dis, mais à disant ça, laissez ça là, ça vaut la peine. Il faut laisser ça. Est-ce que ça va changer? Laissez ça va changer. Et puis j'ai dit, d'accord, ma fille dit de dire Dieu n'est pas Florian. Comme je ne pouvais pas marcher, Dieu n'est pas Florian. Dieu n'est pas Florian. J'ai appelé Dieu n'est pas Florian jusqu'à matin. Je ne dormais pas, je ne mange pas. Maintenant, Dieu n'est pas Florian. Maintenant, j'ai vu. J'ai un petit, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu quand il n'y avait même pas qu'un can dans. Non, c'est une voisine qui est venue. Elle dit, Matt, je dis oui. Elle dit, ah, on dit, tu es mal, je dis, ça va pas. Elle avait un beau à main. Elle dit, bon, comme tu dis, tu vas aller à Abidjan, tu es grand de taille. Bien que tu as maigri, mais vraiment, je ne veux pas te prendre. L'homme même, il est lourd. Donc, il faut prendre la canne là. Toi, tu es débile avec, et puis tu vas partir. C'est là, j'ai pris la canne. Ah, Dieu n'est pas Florian. Dieu n'est pas Florian, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais ma fille dit de chanter ton nom. Dieu n'est pas Florian. Dieu n'est pas Florian. Jusqu'à et puis, j'ai eu la force. Je me suis appuyé sur la canne. Vous avez la force. Hein? Et puis, je me suis levé. Non, je me suis mis d'abord à genoux. Voilà. Ma nièce était là. Elle dit, tanti. Elle dit, tanti. 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 Et puis, j'ai dit, oui. Elle dit, mais, tu t'es levé là. On dirait, tu as vertige. J'ai dit, oui. Mes yeux tournent. Elle dit, mais il faut dire le nom là encore. J'ai dit le nom là, mais j'ai oublié. C'est là, elle m'a rappelé. Dieu n'est pas frère. Elle dit, hein, Dieu n'est pas frère. Dieu n'est pas frère. Je me suis levé. Le peut-être la cour m'a pris, m'a soulevé. Puis m'a amené à la gare. Il te dit. Quand le chauffeur m'a vu là, il a dit, mais ça là, elle va s'asseoir comment? Parce que j'étais couché comme ça même. Je ne vais pas croiser mes deux pieds. Les gens ont dit, ah, il y a un homme de Dieu aussi qui est venu dire, mais la dame là. Le cas là, c'est pas la peine de charger le cas, allez-y, à cause des choses, la malade là. On a pris le cas et puis on est venu, c'est Dieu de pas Florian, Dieu de pas Florian, Dieu de pas Florian. Mon grand frère m'appela à chaque arrêt. Elle m'a donné même, quand on m'appelle comme ça là, ça me gênait. Non, j'ai été. Je dis voilà, peut-être que je vais mourir dans le cas là, ils vont aller exposer mon corps à la gare. Bon, comme on dit de dire Dieu n'est pas Florian, Dieu n'est pas Florian, Dieu n'est pas Florian, jusqu'à on arrivait à la gare. Mon mari m'a appelé. Il dit, mais tu es où? Tu n'as pas dit que tu es dans le cadre de UTB là. Il dit, je suis dedans, mais quand tu rentrais, moi je t'ai vu. Tu n'as pas vu une vieille femme qui est derrière. Il dit, non, je ne t'ai pas vu, c'est une vieille femme qui est à un cadre. Il dit, c'est moi. Lui-même, quand il m'a vu, il dit, ça n'a pas la peine. Il ne pouvait pas, mais il ne pouvait plus me regarder. En même temps, ma fille est arrivée avec l'un de ses camarades. Son ami a dit, ah, c'est ta maman, c'est pas ta maman qui est venue ici, jeune, la sœur qui est là. Ou bien c'est ta grand-mère. C'est ma maman. Ils m'ont pris, mon père. Tellement la maladie t'a défiguré. Ils m'ont pris, m'ont mis dans le taxi compteur. On allait d'abord au CHU. Quand on allait au CHU même, quand les docteurs viennent, eux, ils prennent photo. Ils veulent prendre photo. Ils disent, ah, bijou, tu m'as amené ici pour exposer mon corps. Je ne connais personne ici, et puis tu m'as amené ici. Comment je vais faire? Parce que quand ils viennent, au lieu de me soigner, ces photos ils prennent. Il y a un docteur qui est venu, il a fait mon test, il dit c'est le sida. Tout ça là, j'ai dit, ah, toi quand on a sida là, cette là s'en fout bien. Le docteur, il a écrit tout.
J'étais à l'hôpital, Ma fille a dit d'accord. Allons chez moi à Gonzague. Elle m'a mis dans le taxi. On allait à Gonzague. Quand je suis arrivé là-bas, c'est de là-bas 2 jours. J'étais là-bas et puis ma petite sœur était à Gonzague et puis elle est venue. Elle dit, Matt, c'est toi tu es devenu comme ça. Et puis eux, ils disent qu'il faut dire Papa Florent. Il dit, oui, c'est Papa Florent que j'ai dit sur moi. Puis, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Ma petite sœur est arrivée 10 000 francs avec son fils. Tu m'as parlé de Papa Florent. Je dis, ah non, c'est là, maman, ma tante là, elle va guérir. Moi, j'ai confiance à Papa Florent. J'ai dit, mais je veux guérir à ce moment-là. Parce que douleur des cas, là, ça m'a secoué. Je suis maintenant devenu autre chose. J'ai dit, donc allez-y. Ma fille m'a levé, elle m'a lavé. Bon, elle se pensait que je ne pouvais pas m'asseoir, ni me coucher. Non, j'étais adossé à ma fille. Là. À ce moment, il habitait en bas là-bas. Bien avant, j'étais malade, je n'ai pas encore utilisé l'air, tout ça. Là. Bon, je ne connais pas Gonzac, là, je ne connais pas ici. Mais il y a quelqu'un qui me parlait, tu descends à la police. Mm-hmm. Au commissariat. Tu traverses, tu passes au goudron, tu rentres à gauche. Il y a quelqu'un qui me dirigeait, mais j'étais assise. J'ai dit oui. Donc, je ne connaissais pas ici. En songe ou bien Non, ça c'était vis-à-vis. Vis-à-vis. La voix me parlait. Ah, la voix que... Voilà, à ce moment, il habitait là-bas. Mm-hmm. Tu passes comme ça. Si les enfants voient qu'ils ne m'ont pas trouvé, voilà maintenant. Parce que je sais que quand ils vont venir, ils ne vont pas me voir. Donc, le jour que tu veux partir là, tu passes comme ça, tu descends au commissariat. Et puis, en tout cas, la personne m'a indiqué juste quoi. La voix m'a indiqué juste. Mais moi, tout ce que tu dis là, je ne connais même pas, tu vas connaître. Donc mes enfants, ma soeur, elle n'était pas encore arrivée. Et puis je savais dans ma tête là-bas où ils venaient prendre le médicament. Ils sont partis avec lait. Et puis elle est venue. Elle dit, il faut boire lait là. Je dis, il faut quoi lait là? On n'a qu'à attendre, si je suis morte, ils appellent les musulmans là, ils vont aller m'enterrer. Laissez affaire de lait là, où je suis là. Je ne peux plus. C'est là, la voix qui m'a indiqué, elle m'a dit, bois le lait là. Bois le lait là. Et puis j'ai pris le lait là. Et puis il dit, Dieu n'est pas Florian. Comme mes enfants disent, regarde, Dieu n'est pas Florian. Dieu n'est pas Florian. Je veux ma guérison. On dit, bois. Et puis j'ai percé le lait, puis j'ai bu. Quand j'ai bu le lait là, je me suis levé un coup comme ça. Un coup de la chaise. Je me suis levé. Non, de la natte. De la natte. Mm-hmm. Je ne savais pas que c'est moi, mais je me suis levé. C'est ma plus jeune, j'ai dit, Max, tu t'es levé. J'ai dit, non, je ne me suis pas encore. Elle dit, tu t'es levé. J'ai dit, ah bon? Je me suis levé. Donc, il regarde marcher. Et puis, il fait qu'il marche. Elle dit, ma soeur, en tout cas, la joie est venue dans la cour. Les voisins sont là, elle marche. Je ne voulais plus m'asseoir. J'ai marché, je suis sorti de la cour, j'ai marché, je suis rentré, je suis parti de la maison, je ne croyais pas. C'est là ma fille a dit, bon, où tu es là, tu es guéri, il faut t'asseoir. Puis je suis assise. Ça, c'est le premier lait là que j'ai bu. Donc, si c'est ça, je vais boire lait là en même temps. Elle dit, non, il faut attendre. Ça vous a donné l'envie maintenant de... Elle allait payer la glace, elle a mis dans le glacier. Je vais boire lait là. En même temps, j'ai eu l'envie de manger foutou. J'ai dit, je vais manger foutou. Alors que vous ne mangez pas. Je ne mangeais même, je ne pouvais même pas l'eau. Elle a fait un gros plat de foutou rapidement, elle est venue me donner et j'ai mangé. Quand j'ai mangé, elle a mis huile là-dedans. J'ai dit, mais il y a déjà huile dans ça. Elle dit, non, huile, j'ai payé à 3 000. J'ai dit, huile, simplement que tu vas aller payer à la boutique là, 25 francs. Ça là, c'est. J'ai dit, d'accord. Puis j'ai mis depuis chez moi. Mais quand j'ai mis huile là, on dirait que c'était dans mon ventre qu'on creusait. Quand j'ai mangé, quand j'ai coupé le foutu, puis j'ai mis ça où il y a huile là. Et puis j'ai mélangé là. J'ai mangé le gros plat de foutu là. J'étais là. Quand là, elle a mis le truc là. Je sais dans la maison, mais pour m'attirer le sang de Jésus, on allait se coucher. Quand on allait se coucher, comme je ne dormais pas, j'étais là. Parce que je n'avais pas dit que je dormais. J'étais couché comme ça. Comme ça. Moi, je souffrais, j'étais couché comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui est rentré. J'ai compris le bruit de la porte. J'ai vu la personne. Il a mis une serviette. En vision. Je ne dormais pas. C'est mon portable. Il faut laisser.
Jimmy, c'est vieux. Quoi. Non, ça, il faut laisser. Ça y est, j'ai mis la serviette au cou. Ah, la personne a mis la serviette au cou. Il n'a pas porté habit. Et puis il a porté pantalon. Il est venu m'appeler. Matt, et puis il est tout le monde. Il est là quoi. Il cherche quoi à tout. Est-ce que c'est bien volé? Je ne remets pas. Il dit, où est le coton? Et puis je dis, quand il fait la main comme ça, il a pris le coton là. Et puis, je ne sais pas c'est quoi, il l'a mis dans le coton. Et puis, il a commencé à me masser. Soigner. Il m'a soigné. Maintenant, il a levé un truc blanc. On dirait la cendre. Il met ça blanc, puis il l'a mis dessus, puis il est sorti. Il est sorti, ça a brûlé, puis j'ai vu ma fille. Tu n'as pas fermé la porte. Il y a quelqu'un qui est rentré ici, il m'a soigné. Elle aussi, elle a réveillé son mari. Ils ont réveillé la servante. On dit, mais la porte est fermée. Il dit, tu n'as pas fermé la porte. Quelqu'un est rentré ici, voilà. Et puis, médicament, il a mis la même là. C'était sur une chose, la plaie la même. Blanc, 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 blanc. On était là, son mari a dit, bon, on dirait que c'est le lait qu'elle a bu. Donc, vous allez partir chercher chez l'homme de Dieu là. Lui, il a dit, d'accord. Mais ma fille a dit qu'elle ne connaît pas. Il dit, non, moi, je connais là-bas. Je connais là-bas. Mais il a dit qu'on n'a qu'à le trouver chose. Où il, voilà, non, c'est pas au commissariat. Où il faisait la prière, là, on a qu'à aller là-bas d'abord. Ma fille a dit, comment il t'a dit? Voilà. Il dit, on a qu'à le trouver là-bas, en bas de bâche. Ma fille dit qu'elle ne connaît pas là-bas. Je dis, alors seulement, mais on m'a indiqué. Mais après, maintenant, on va chercher. Donc, c'est la voie qui vous a indiqué. Voilà, la voie là m'a indiqué chez lui à la maison. Mais où le trouver aussi, c'était de l'autre côté, puis on allait là-bas. Quand on allait là-bas, ma fille a dit, ah, où est le monsieur qui veut te soigner la nuit, là? J'ai dit, le voilà. Le monsieur qui est juif, la semaine, il a porté dentelle tout blanc. C'est là qu'on a demandé, mais qui est papa Florian? On dit, c'est lui. J'ai dit, j'ai d'abord dit à ma fille que c'est le monsieur qui m'a soigné qui est là. C'est là qu'on a demandé, c'est lui papa Florian? Puis ils ont dit, oui, c'est lui papa Florian. Le monsieur s'est approché. Et puis on allait payer les nécessaires. Et puis on allait faire le traitement maintenant. Maintenant qu'on a fini de faire le traitement, à chaque fois que je vais à l'hôpital, d'abord je suis parti à l'hôpital de Gagnon pour refaire test là. On ne m'a jamais donné de réponse. J'ai fait test là toujours, mais on ne me donne pas de réponse. Et puis je prends toujours les choses, elle est comprimée. Tous les jours. Donc on est pris à Soubré, on est mené à Gagnon. Donc c'est ce matin là. Mon grand frère m'a parlé d'un problème il y a très longtemps. Ça veut dire d'accord. Moi, je ne connais pas autre Dieu, à part Dieu de Papa Florian. Allons, je vais te le présenter. Donc, gloire à Dieu. Voilà, ça veut dire qu'on est venu ici. Soyez les bienvenus. Voilà. Vous êtes un témoignage vivant du chemin du ciel, vivant du Dieu de Papa Florian. En tout cas, Dieu de Papa Florian, il est fort. Il est fort. Voilà. Vous qui avez une maladie qui n'était pas connu même non, par la médecine, parce que les médecins ont dit que ils n'ont jamais vu ça. Et ils disent qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu ça. Mais le Dieu de Papa Florian, qui connaît toute maladie, a mis fin à cette maladie. Voilà. Les médecins ont dit que vous avez le VIH, mais il se trouve que ce VIH a disparu dans votre sang maintenant. Vous qui étiez très mince, aujourd'hui, je déborde. Attends, vous débordez. On ne peut dire que merci au Dieu de Papa Florian. Amen. Le Dieu de Papa Florian, il est unique. Amen. Il n'a pas de religion. Amen. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, s'il veut vous parler, il vous parle. Amen. Et en songe, en vision, Amen. Le Dieu de Papa Florian vous a parlé jusqu'à votre guérison. Voilà. Que vous soyez bouddhiste, le Dieu de Papa Florian n'a pas de frontières. Gloire au Seigneur. Amen. Cette maladie a mis combien de temps comme ça? Le mal, ça a mis combien de temps? Le mal là, je ne sais pas, on dirait une semaine. Hein. Parce que fait... Enfin, comme je ne veux pas parler aussi, c'est pour ça. Mais ce n'est pas une semaine. Hein. Ça a commencé par des palus. Par des palus. On soigne. On dit que c'est son sang qui n'est pas bon. On soigne ça, ça devient. Il y a un peu longtemps même. On soigne ça. Ah, des années. Voilà. Jusqu'à le sexe là, c'est maintenant. Ça explose maintenant. Alors que la guérison a mis combien de temps comme ça? Ça n'a pas fait une semaine, hein, parce que c'est quand j'ai bu le lait. Que... Le lait, vous êtes levé en même temps. Je suis levé.
Et à partir de là, ça va. Voilà. C'est donc en une semaine déjà. Mmh. Le même jour déjà. Le même jour qu'on m'a donné le lait, puis j'ai bu là. C'est comme ça que je me suis levé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Votre grand frère qui est là a un problème. Il est venu voir le Dieu de Papa Florian. Oui. A écouté vos témoignages. Il n'y a plus rien à dire. Hein? Il n'y a plus rien à dire parce que vous qui étiez très malade, il vous a connu. Oui, mais il fait beaucoup confiance en le Dieu de Papa Florian. Comme voilà. il a un problème de forêt. Voilà. Donc, je lui ai dit que ce n'est pas la peine d'aller quelque part. On n'a qu'à venir voir Dieu de Papa Florian. Donc, donnez votre mot de la fin. Merci. Donc je remercie beaucoup Dieu de Papa Florian. Mais seulement je suis à Abidjan. C'est seulement je n'ai pas les soutiens, je ne vois même pas, je suis assise à la maison. Ça donc Dieu a donné la guérison. Il m'a donné la guérison. Oui. Il m'a donné la guérison. En tout cas, j'ai la santé. Maintenant vous voulez vendre. Je veux vendre. Je ne vais pas m'asseoir voilà. À la maison comme ça, manger dormi. Manger dormi. Et puis mon mari aussi, on lui avait donné une voiture, mais la voiture là, depuis le mois de. Le 1er décembre, il ne travaille pas, il est assis. Mon fils a eu le bac, je ne sais même pas où mettre la tête. Dieu de Papa Florian va vous donner les moyens à partir de maintenant. Amen. Pour que tout ça aille dans votre vie. Amen, Jésus.